Bonjour à tous, ici avec Annette MC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 9 et surtout dernier sur Super Mario 3D Land. Il est temps de continuer et terminer l'aventure après s'être laissé tout simplement ici. Le dernier épisode, le dernier monde, le dernier niveau final du monde 7 était assez tendu parce que j'étais tout petit, je devais battre Morton et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, Lazy. Lazy, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus exactement. J'ai réussi, heureusement. On aura même fait le drapeau en or et tout, et ça c'est cool. C'est parti les amis pour le dernier niveau, le dernier monde, à savoir le monde 8. Et c'est parti. On voit qu'il y a beaucoup de lave. On voit qu'il y a beaucoup de lave de partout, donc forcément c'est le monde de Bowser et tout, avec le petit logo et tout qui va tout à droite, là, tout en bas de ma cam. Ok, allez, c'est parti. Je pense que je vais crever parce que j'ai pas de... J'ai pas de power up, j'ai rien, donc je suis à poil. Fuck. Oh bah... Ma foi, pourquoi pas. Attends, il y a peut-être un autre moyen de monter là. Je tenais quand même à aller ici parce que je sens que... C'était pour avoir la première étoile. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ok. Perds pas ton power up, c'est trop rare. Ok. On a un escalator, mais qui fonctionne à l'envers. Il n'y a rien ici, super. On a ceci dit là. La deuxième étoile, et ça c'est cool. Je sais pas si c'était une bonne idée. Hein. Je pense que la dernière doit être ici. Ah! Ah! Il y a une grosse bouboule qui arrive! Ah! Est-ce que je monte dans le tuyau ou pas? Non, il faut aller dans le canon, il faut aller dans le canon. Parce que regardez! Oui! Oh! Je dois me retaper un coup de ce truc. J'ai bien fait d'aller dans le canon. Ah bah en fait non. Je peux retourner dans le canon pour le réutiliser. Pour tout simplement faire le poteau en or. Il faut être malin. Je pense qu'il faut que je vise un petit peu au-dessus, non? Oh! Quelle erreur! C'était pas assez. C'était malheureusement pas assez. Oh non! Ok.
Tout simplement. Bon là il vaut mieux que je monte hein. Mais donnez-moi des power-up. Putain mais le jeu est bégou quoi. Ça m'en donne plus. Ok le moulin. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je suis allé... Vous voyez, c'est ce que je vous dis en fait avec ce jeu, c'est que la perspective est extrêmement compliquée, donc du coup tu tombes tout le temps dans le vide où tu t'arrives pas à toucher les ennemis, tu te prends des hits pour rien, enfin c'est c'est vraiment, vraiment compliqué quoi. Regarde, tu vois, hop là, pareil, là je me suis fait avoir, je voulais prendre le poteau, j'ai foiré. Et le jeu il te donne pas de power-up quoi. Je sais pas mais j'ai envie de taper ce bloc quand même. Peut-être qu'il y a un power up dedans mais... Mais les pièces on s'en fout, en plus j'ai assez de vie. Oh attends. J'ai vu quelque chose de très intéressant. À cet endroit là. Voilà, comme ça on a la deuxième. Oh. Attends. Oh. Ça, ça va mettre une très grande utilité. Ouais, ça m'a été d'une très grande utilité, je vous le confirme. Ça m'a été d'une très très grande utilité. Bon, bah on n'a plus qu'à revenir en arrière, parce qu'en fait ce que j'aurais dû faire, c'est pour que ça sauvegarde l'étoile. Bah il aurait fallu que je récupère d'abord l'étoile, et ensuite que je prenne le drapeau. Du coup ça fait que si je me rush ici, je dois renouveau récupérer l'étoile. Mais bon. Okay. Où serait la troisième étoile? Tu rigoles ou quoi? Je la vois. Ok. Ah, il est pas facile ce niveau, hein. Là-dedans, je parie qu'il y a un power-up. Ah, il y a un petit champi. Prends ton temps. Oh merde. Ah mais ça c'était chaud ça. Putain il faut le Tanuki bordel. Il faut le Tanuki. C'est lui qui peut faire le drapeau en or. Encore un manoir boue. Oh non. J'espère qu'il est un peu plus simple que l'autre. Parce que l'autre était hardcore. On a quand même 116 étoiles. Je pense qu'il doit y en avoir 150 en tout dans le jeu. Je pense. 200 ça me paraîtrait un peu trop parce qu'il n'y a pas assez de niveaux. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est des boîtes en carton?
obligé. Je peux rentrer dedans? Non. Il y a plein de bubules. Ah! Ok. Mais regardez, il faut le Mario Tanuki. Mais non! What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie là? Ok, j'aperçois totalement la... Je peux rien faire. Je peux absolument rien faire, bordel. J'ai aucun power-up. Mais en fait, j'accède depuis là. Oh non! Les niveaux sont pas durs, hein. Mais c'est juste que... Moi, je pense que si je fais ça... Il y a forcément un moyen d'avoir un power-up. Peut-être plus loin, attendez, on va essayer plus loin. Rush. Là, tu cours. Tu cours. Bah oui, vas-y, fonce dessus. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose. Rien du tout. L'étoile! Mario Tanuki! Je reviens en arrière! Attendez, on va essayer de choper cette étoile. On va essayer de la choper. Tac! Je reviens en arrière. Je m'en fous. Attention quand même, parce que voilà. Ok. Ok. Voilà. Allez, vas-y, sors. Je sais pas où est la troisième. Peut-être qu'elle est là en... Peut-être qu'elle est ici. Je pense qu'elle doit être sur ce truc là. Cherche bien. Pas l'air d'être là.
trouver la dernière étoile. Mais au moins, on peut faire le drapeau en or. Je pense très clairement que la dernière étoile, elle devait certainement être planquée en dessous d'un des rondins qui tourne. Mais j'ai pas attendu assez longtemps pour voir en fait que ça fasse le tour complet. Un manoir bouge. Allez. C'est pas trop méchant. Oh, j'ai l'impression que je rate. Ok. Ah, c'est fourbe. Ici, pour trouver les étoiles. J'espère que j'en ai pas raté. Je suis sûr que ça c'est pour faire apparaître. Oh non, elle est là! Reviens! Oh! Ok, on a eu la première, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Reviens en arrière. Ok. Attends. Reviens là, s'il te plaît. C'est pas possible, ça. Je pense que l'autre étoile doit être là-bas à gauche. On y retourne. Oh ! Mais saloperie de putain de bout de merde. Et voilà, et la plateforme n'est plus là. C'était sûr qu'elle était à gauche. Là, vous allez voir, je vais trouver la dernière. Ah, quoique... Non, pas du tout, en fait. Ça va. J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Ok, observons. Oh, t'as pas trop ce... Ça se trouve c'est juste une pièce à la con comme là, tu vois. L'étoile, je la vois. Non. Ok. Perfect. Ah. Yes. Yes. Bam bam bam. Bam bam. Ouf. Alors ça, moi, ça me dit rien qui vaille, hein. Ça me dit rien qui... Ça, c'est vraiment pure plateforme, ça. Je le sens que c'est des trucs qui sortent du mur. Ok, j'ai vu l'étoile.
Oh non, je me suis fait avoir, un truc qui casse sous les pieds aussi là. Ça c'est fourbe ça. Ok. 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 Power up s'il vous plaît. Non. Ok. Hop. Hop. Ça pique. Je vois la deuxième étoile. Ok. Donnez-moi un champi s'il vous plaît. Mais en fait, les power-ups, ils sont dans les caisses, ils sont dans les briques brunes en fait. Ils sont même pas dans les trucs à la point d'interrogation. C'est vraiment les salopards. Non, ça c'est truc de plateforme quand tu sautes ça. On s'en fout, vous savez quoi? Ah non putain, j'ai voulu esquiver sa clé. Fuck man. Ok, c'est bon. Une mystery box. Ok, alors ça. J'ai fait vraiment au pif, hein. Je pensais vraiment pas que j'allais l'avoir. Mais une fois de plus, on a les 3 étoiles. Ok. Non ! Oh putain, non ! Non ! Oh oui, donne-moi ça, ouais. Oh ouais, merci. Merci. Ah, j'étais pas censé le toucher et... Bon, le fait qu'on ait eu le Tanuki overcheaté, en fait ça si vous voulez c'est quand vous avez ça, en fait c'est quand vous mourrez trop de fois en fait. Si vous mourrez trop de fois, le jeu te donne un power-up comme ça bonus, mais qui est overcheaté en fait. Ça te transforme en tanuki mais genre invincible. C'est-à-dire que tous les coups que vous prenez, ben ça fonctionne, ça vous fait rien en fait. Au contraire, ça vous donne des pièces, etc. Mesdames et messieurs, nous arrivons au monde, au niveau final, qui est donc voilà le vrai château de Bowser. C'est parti. Ça demande 90 étoiles. C'est d'ailleurs étonnant que ça n'en demande moins pas 100. Ça aurait été plus logique. Mais voici, mesdames et messieurs, le
château ultime de Bowser, où nous allons battre donc Bowser, bah, Bowser final tout simplement, afin de conclure ce jeu, l'histoire, ce let's play. C'est parti. Alors il n'est pas impossible que ce soit quasiment pareil que... Il n'est pas impossible que ce soit quasiment pareil que les autres. Mais toujours est-il que... On va quand même regarder. Oh là là là. Ok. Oh non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Oh putain, vous l'avez vu. Elle était juste là, la première étoile. Ok, 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 ok. Saloperie de Kamek. Rush, 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 rush. Attention quand même, hein, de pas trop rusher non plus, parce que voilà. Ils sont là, ils sont présents. Ils veulent te buter. C'est là que je serais tombé entre, tu sais, j'aurais dit... Non, là, le jeu est quand même trop punitif. J'ai aucune idée de l'autre. Ah, la deuxième étoile. Alors, ça, à mon avis, ça risque d'être... Oh, je l'ai fait. Alors, par contre, j'ai plus de power-up. What the fuck. La troisième étoile est là-bas. Casse-toi! Ok. Oh, il y a Bowser qui est là! Non! Et je suis tout petit! A mon avis, je vais mourir. Je pense que je vais mourir. Parce que là, c'est tendu. Comment je fais pour l'avoir? What the fuck? C'est impossible! Elle est en plein milieu de la lave! C'est là qu'on va rigoler en fait. Et en plus, je crois que. Ouais, on commence là. Ouais. Bon, il faut pas que je me fasse toucher au moins une fois. Genre. Donne-moi un power-up marteau, s'il te plaît. Donne-moi juste le power-up du... Voilà, merci. Comme ça, regarde, tu fais ça. Ah ben là, ça a marché. Pourquoi alors dans l'autre niveau, ça a pas fonctionné? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Ah, je comprends maintenant comment récupérer le... Je comprends comment récupérer l'étoile qui est là-bas maintenant. D'accord, ok, c'est bon. On a le droit à 3 chances. Il faut pas que je me fasse toucher par le Bowser plus de 2 fois parce que sinon ça. Ok, c'est bon. On les a toutes. Je suis mort connement, putain. Hey, sans déconner, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je vous dis, c'est que la perspective qui me fait faire foirer le truc.
Oui, je sais, il y a Bowser, voilà. À chaque fois, t'es obligé de te taper la cinématique. Non, c'est bon. Ok. Là, logiquement, il ne tire pas de boubou. Ok. Je le finis quand je suis petit. La cage à Peach. Où est-elle ? Elle est là. What the fuck, c'est une planche en bois. Il y a un problème en fait, c'est que je suis petit. J'en ai marre d'être petit. Comment ça se fait qu'ils volent? Comment ça se fait qu'ils volent? C'est bien une arène de combat ça, mais j'ai l'impression que c'est pas ici qu'on va devoir le battre. Ok, bon bah ouais, pourquoi pas. À mon avis, on va arriver dans un monde... vraiment plus que final. Du coup, j'ai fait le drapeau en or, ça c'est cool. Pour vraiment le battre cette fois. Que va-t-il se passer maintenant? Je ne sais pas. Ah, y aurait-il quand même un autre monde? Bah vous savez quoi les amis, je vous avais dit finalement que cet épisode serait l'épisode final. Bah finalement non, voilà. C'est finalement pas l'épisode final parce que je m'attendais pas du tout à ça. En fait non, il y a encore d'autres mondes de lave qui sont encore bien plus complexes j'imagine. Donc le prochain épisode sera cette fois-ci le final. Merci à tous d'avoir regardé, c'est tant mieux, on finit sur l'épisode 10. Voilà, c'est très bien, ça aura fait 10 épisodes. J'en ai marre d'être petit, donnez-moi des power-up, bordel de merde. Je galère en fait, toujours tout petit là. Stop à un moment donné. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode qui était finalement donc pas le final. Voilà, vous l'aurez compris au titre ainsi qu'à la miniature. On se donne rendez-vous donc dans l'épisode final cette fois-ci pour battre complètement Bowser et sauver Peach. Voilà, et pas un morceau de carton qui nous tombe dessus. Voilà, allez, sur ce les amis, merci à tous et à la prochaine. C'était Knight, see you for the next episode. Oh yeah!